Allah donc est miséricordieux dans les relations qu'il a tissées entre les individus. Qui donc a insufflé aux enfants d'Adam l'amour de leurs enfants. Vous avez été tous dans un premier cocon qui s'appelle la matrice. Cette matrice, en arabe, le mot est dérivé de Rahman. Il s'appelle Rahim. Ça vient de Rahman. Comme matrice miséricorde. وكأن الأصل في اللغة يعني بهذا المنطق كأن الأصل في اللغة هي اللغة العربية. نعم. يعني هو أحسن اسم أعطي لهذا يعني للرحم. سبحان الله. فهمت قصدي يعني؟ صح. Donc ce lieu qui s'appelle Rahim, ça vient de Rahman, est un lieu où pousse l'amour infini de la mère envers son enfant. Avant d'être ici dans le vieux, d'être dans la matrice, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas. Avec cette vie, durant ces neuf mois, l'enfant, la mère, reçoit cette rahma. Et c'est de là la différence entre le père et la mère. Ah, la mère, subhanallah, le père ne porte pas son enfant 9 mois, subhanallah. Mais avec tout l'amour connu de la mère pour son fils, notre prophète dit, t'as vu, c'est la place de la mère. Il n'y a personne qui t'aime comme ta mère. Il n'y a personne qui est miséricordieux envers toi que ta mère. Ça, c'est une règle. Allah dit, Allah est plus miséricordieux envers vous que la plus douce des mères. Allah est compatissant avec nous et nous pardonne beaucoup de nos péchés. Ton Seigneur est celui qui pardonne. Il est le maître de la miséricorde. S'ils s'en prenaient à eux, à cause de leurs actions, ils hâteraient leur châtiment. Ar-Rahmatu bayna al-Azwaj. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. حلوين الرحمة شيخ تجد الرجل على خلاف مع زوجته والزوجة كذلك ولكن إذا حدث أن أصاب شيء يتحول إلى قلب رقيق الحنان. صح تخرج الرحمة. Allah a mis par nature beaucoup de miséricorde entre les époux. Allah dit dans le Coran, parmi ces signes, on a parlé de ça dans le sermon de vendredi, il a créé pour vous, tiré de vous des épouses afin que vous reposiez auprès d'elles. Et il a établi l'amour et la bonté entre vous. Que vivez-vous tous les jours? Même quand un homme est en désaccord avec son épouse, et si à ce moment-là il lui arrive quelque chose, il s'empresse de s'occuper d'elle avec amour et bonté. Là, on voit la rahma qui sort. Ah, j'ai plus d'amour envers lui. Une fois, subhanallah, un malheur le frappe, on voit cette rahma agir. Wa min rahmatihi wa hiya rahma al-'azma. إرسال النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك لأنك يا رسول الله شديد القرب من الله قذف الله من رحمته في قلبك واستقر في قلبك الرحمة فاجتمع الناس حولك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وبعد النبي سيدنا ابو بكر الصديق يقول النبي ارحم امتي بامتي ابو بكر اذا ممكن نستخرج هنا قانون قرب من الله يؤدي الى رحمه يؤدي الى لين مع الناس يؤدي الى حب والتفاف
بعدا من الله يؤدي الى قسوه يؤدي الى غلظه يؤدي الى انفضاض الناس الرحمه بلا حدود ولذلك انظر الى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك رحمه تجمع بها شملي وتلم بها شعثي وتصلح بها امري وترد بها غائبي كل شيء الرحمه هنا في كل شيء وترد بها غائبي وتعصمني بها من كل سوء اسالك رحمه انال بها شرف كرامتك في الدنيا والاخره الله a été plein de miséricorde envers nous aussi en nous envoyant notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous t'avons seulement envoyé comme une miséricorde pour les créatures et dans un autre verset tu as été doux à leur égard par une miséricorde d'Allah si tu avais été rude et dur de cœur ils se seraient séparés de toi ô prophète d'Allah c'est parce que tu es si proche de ton Seigneur qu'il t'a donné tant de miséricorde dans le cœur. Il t'a insufflé de sa propre miséricorde immense envers les pauvres créatures que nous sommes. Ces hommes ont cependant saisi tout le trésor que tu recevais et ils t'ont entouré et refusé de se séparer de toi. Et après toi, c'est qui ? C'est ton meilleur ami qui est le plus miséricordieux envers la communauté, envers ta communauté. Ainsi que tu l'as dit toi-même, le plus miséricordieux parmi ma communauté, envers ma communauté, c'est Abu Bakr. Il a hérité sa dharma du prophète Sénat. De là, nous pouvons mes chers frères et sœurs, sortir avec une règle simple. Être proche d'Allah mène à acquérir la miséricorde, la clémence, la douceur envers les gens. Et cela est récompensé en retour par un attachement de ces gens et un rassemblement. Proximité, douceur, attirer les gens, rassemblement. Au contraire, maintenant, l'éloignement d'Allah conduit par contre à la dureté et les gens fuient les personnes dures. Qanun, c'est une loi. Nous sommes devant le spectacle, le univers, de la miséricorde divine sans limite. Mes frères et sœurs, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'implorer Allah en disant « Allah, je t'implore ». Et je sollicite ta miséricorde pour rassembler ma communauté, guider mes actes, communauté, actes, ramener les absents, et me protéger contre toute mauvaise action que je pourrais commettre. Je t'implore de m'accorder ta miséricorde et l'honneur de ta générosité en ce monde et dans l'au-delà. Voilà. Alhamdulillah. سبحان الله رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم